Je suis Gaston Poléfa, je suis auteur aux éditions Gallimard. J'ai consacré mon œuvre à des choses infimes, aux gens faibles. Et le dernier, pour oublier, c'est Raphaël Élisée, à qui je viens de consacrer un roman et qui était le premier maire noir de France métropolitaine, dont la vie s'est malheureusement achevée dans le camp du Buchenwald. Je dis maintenant parce que j'ai longtemps travaillé à autre chose. J'ai fait des œuvres essentiellement autobiographiques. Et lorsque, par hasard, en écrivant un roman qui était prévu pour... C'est un roman policier qui devait parler de la spoliation des œuvres d'art à des familles juives, je suis tombé sur le nom de Raphaël Élisée dans le camp du Buchenwald. Et la lumière fut, j'ai laissé tout ce que j'étais en train d'écrire pour rentrer dans la peau de cet homme oublié, parce que la France est à la fois amnésique et paresseuse, les grands hommes dérangent, et il fallait bien que j'exhume, que je ressuscite ce corps qui ne demandait que ça pour redessiner le visage de la France.